chapitre 105, Zaburi mia moja na tano, le verset 3 et 4. Mustari ya tatu na ine. Psaume 105, verset 3 et 4. Mia moja na tano, mustari ya tatu paka ya ine. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Mukuye na kimbilio yenu kama milele na tegemeo yenu. Ayez recours à l'Éternel mupate mukimbilia wa milele et à son appui. Na kutegemeo yake. Cherchez. J'ai lu le verset 4. Le verset 3. Verset 3. Glorifiez-vous de son Saint-Nom. Mupate kutukuza jina lake takatifu. Glorifiez-vous. Mujisifu jia jina yake takatifu. Glorifiez-vous de son Saint-Nom. Mujisifu jia jina yake takatifu. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Roho ya bale bena mtatoa milele ipate kufurahiwa. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Mupate mukimbilia wa milele na kutegemeo yake. Écoutez la conclusion. Sikio mwisho. Cherchez continuellement sa face. Kila wakati mupate kutafuta uso wake. Lisons dans Matthieu chapitre 5. Tusome mu Matayo sura ya 5 verset 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil. Muridifunza ya kama ilisemwa licho kwa licho. Dent pour dent. Lino kwa lino. Donne à celui qui te demande. Upachie ule kuna kulomba. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Utapenda jirani wako. Et tu haïras ton ennemi. We utachukia adui yako. Mais moi, lakini mimi, je vous dis, na miambia, aimez vos ennemis. Mupende baadui yenu. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mubariki bale benyebe kuna miblani. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mufanishie bizuri bale be kuna michukia. Et prie pour ceux qui vous maltraitent. Muombe bale be kuna miteso. Et qui vous persécutent. Na bale be kuna miangaisha. Soyez donc parfait. Mukuye kamilifu. Comme votre Père céleste. Sawa vile baba. Ta semaine yulu ya ali ya ba Christ. L'attitude d'un chrétien. Mungu amibariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Njo ile tutazungumzia ya leo. C'est sur ça nous allons parler aujourd'hui. Muntu wote. Tout homme. Surtout shiba Christ. Zaidi zaidi nous les chrétiens. Namuna yetu ya kutenda tunapashi kutenda mzuri sana. Notre manière d'agir ça doit être bien. Kufatana na hii andiko tunatoka mkusoma. Compte tenu de cette écriture qu'on vient de lire. Inatokea mkutonesha. Ça vient de nous dire. Ni hali kani mkristu anapashi kuyanayo wakati yako na mambo. Quelle attitude un chrétien devrait adopter chaque fois qu'il a un problème? Kama mkristu eko na problème. Si un chrétien a un problème, ni hali kani anapashi konesha. Quelle attitude devra-t-il adopter? Ali yashiba Kristu. L'attitude d'un chrétien, non? Ni hali moya mzuri sana. C'est une bonne attitude. Mumambo yote iku netufiki. Dans chaque circonstance qui nous arrive. Mukristu anapashi kurichunga mzuri. Un chrétien doit bien se garder. Muile ali asta kwarishana nayo. Dans une circonstance d'attitude ni hatari. Mais aujourd'hui c'est très scandaleux. Ni mahali kani tukunayo. Nous avons quelle attitude? Na tukunatenda je. On agit comment? Kurudi kwa Yesu kusha ukaribi. Le retour de Jésus est proche. Mais ali yashiba toto ya Mungu. Mais l'attitude pour nous les chrétiens. Tunapashi kutenda juu ya kumfananisha na Mungu. Nous devons agir pour être semblable à lui. Kama mtu anakukosea. Si quelqu'un
t'offense, apana kumurudishi. Faut pas le retourner l'appareil. Prie pour lui. C'est ça l'attitude des enfants de Dieu. Même si quelqu'un t'a offensé à quel point, mais l'attitude d'un chrétien, c'est prier les uns pour les autres. Un bon chrétien, Ali, qui doit avoir ni attitude moya ya kumpendeza nayo Mungu ni ali moya pour plaire à Dieu. Mais leo matitude yetu iku mubaya. Aujourd'hui notre ali est mubaya. Attitude ya kumubaya pas ton attitude mauvaise, tu as raté enlèvement pour rien. Tu peux arrêter kunyakuliwa na mukristo abiakwe. Un bon chrétien, ukuna réagir je par rapport à attitude ya mwenza, ukuna tenda je kufatana na kile mwenza kwa nakufanishia. Na kama mwenza kwa nakufanishia we kintu kibaya, si quelqu'un t'a offensé, ushagir mubaya. Faut pas mal agir. Bible ne te recommande, sauti ya Mungu inatuambia, ya kufanya paka bizuri. Faites toujours du bien. Kama unafanya bizuri, si tu fais du bien, c'est bien, c'est très bon. Mais bapagano na boba anafanyaga bizuri. Les païens aussi agissent de même. Mais bizuri sana, mais binapashi kutokea kwa shiba toto ya Mungu. Le bien doit venir de nous les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui c'est grave. Aujourd'hui mambo hatari sana. Très grave. Ni hatari sana. Ile hali haipashi kwe katikati yetu. Cette attitude ne devrait pas être au milieu mais de nous. Mais hali ya mzuri tutafute nuso ya Yesu. L'attitude, nous devons chercher la présence de Dieu. Mungu amibariki sana. Que le Seigneur vous bénisse. Kama Mungu anatukabura bujima, si Dieu nous accorde vie, nous allons continuer.